additionne les fractions suivantes et simplifie le résultat. Alors, les fractions qui nous intéressent ici, ce sont 3 sur 15 ou 3 quinzièmes et 7 sur 15. Et on aimerait bien les additionner. Alors, ce qu'il faut savoir pour additionner des fractions, c'est que quand elles ont le même dénominateur, eh bien, le résultat va avoir le même dénominateur. Donc ici, on sait que le résultat va être quelque chose sur 15, puisque le dénominateur de la première fraction et de la deuxième fraction est 15. Ensuite, la deuxième règle, c'est que si deux fractions ont le même dénominateur, alors pour les additionner, il suffit d'additionner les numérateurs, donc ici 3 et 7. Donc pour faire 3 sur 15 plus 7 sur 15, ce qu'il faut que je fasse, c'est écrire d'abord 15 comme dénominateur, et ensuite au numérateur, écrire 3 plus 7. On additionne tout simplement les numérateurs. Alors, combien ça fait ça? Eh bien, on sait que le dénominateur, ça sera 15 déjà, et ensuite 3 plus 7, ça fait combien? Eh bien oui, 3 plus 7, ça fait 10. Et donc, on a trouvé le résultat de l'addition, c'est 10 sur 15. Donc 3 sur 15 plus 7 sur 15 est égal à 10 sur 15. Maintenant, on nous demande de simplifier le résultat. Donc on va le faire. On va simplifier le résultat. Alors 10 sur 15. Pour simplifier cette fraction, il faut qu'on trouve un nombre par lequel 10 et 15 sont tous les deux divisibles. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que 10 et 15 sont tous les deux divisibles par 5. Donc on va diviser 10 par 5 et on va diviser aussi 15 par 5. 10 divisé par 5, ça fait 2, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Maintenant, 2 et 3, est-ce qu'on peut encore leur trouver un diviseur en commun? Eh bien non, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on a simplifié la fraction. On a simplifié 10 quinzièmes en 2 tiers. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi ça marche. Pourquoi est-ce qu'on peut additionner comme ça des fractions qui ont le même dénominateur? Donc je te propose de représenter 3 sur 15 et 7 sur 15 sous forme de dessin. Alors c'est parti. Déjà, on sait qu'il va falloir diviser quelque chose, un gâteau par exemple, en 15 morceaux. Donc je vais dessiner ici les 15 morceaux du gâteau. Donc un premier morceau, un deuxième morceau, un troisième morceau, quatrième, un cinquième. Alors les morceaux ne sont pas tout à fait égaux sur mon dessin, mais fais comme s'ils l'étaient. Un sixième morceau, un septième morceau, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et enfin 15. Alors on va juste les compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait, on a les 15 morceaux. Alors maintenant, on va prendre du orange pour représenter 3 sur 15. 3 sur 15, c'est 3 morceaux sur les 15 qu'on a dessinés. Donc on va les colorier. Un premier morceau, un deuxième morceau et un troisième morceau. Donc ça, c'est 3 sur 15. Maintenant, à quoi ça correspond, 7 sur 15? On va prendre une autre couleur et on va colorier 7 morceaux sur 15. Alors, 1, 2, 3 morceaux, 4 morceaux, 5 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, 6 morceaux et un septième morceau. Voilà. Alors maintenant, eh bien, pour savoir quel est le résultat de 3 sur 15 plus 7 sur 15, ils font compter tous les morceaux qu'on a coloriés, les oranges et les violets. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on retrouve ici le même résultat. On a en tout 10 morceaux sur les 15 qu'on a dessinés. Alors, est-ce que 10 sur 15, c'est bien équivalent à 2 tiers? On va vérifier ça. On va déjà découper le gâteau, cette fois-ci, pas en 15 morceaux, mais en 3 morceaux, en tiers. Alors, dans chaque tiers, il doit y avoir 5 morceaux, parce que 15 divisé par 3, ça fait 5. Alors, je vais en prendre 5 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un premier tiers, ce que je suis en train d'entourer en bleu clair. On va prendre un deuxième tiers, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un deuxième tiers.
Et ici, c'est le dernier tiers. Donc on va les numéroter 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers. Et tu vois que tout ce qu'on a assuré, le orange plus le violet, eh bien ça correspond exactement à 2 tiers du gâteau entier. Donc ça veut dire que 2 tiers, c'est bien une fraction équivalente à 10 quinzièmes.